Michel Gauquelin, bon, en passant comme ça, nous rappelle, dans son Introduction dans la science, que Ptolémée a écrit deux traités, apparemment premièrement un traité d'astronomie, deuxièmement un traité d'astrologie. Ça, ça me paraît très intéressant. Ça montre bien qu'on a d'abord l'astronomie, où on recense tout ce qui existe, hein, on cumule, et puis tout d'un coup, il y a l'astrologie qui structure tout cela, qui canalise tout cela, et donc c'est la tétrabible. Donc on voit bien, c'est anecdotique, mais on voit bien, effectivement, on passe de l'astronomie à l'astrologie. Et ça, les astrologues ne l'ont pas compris. Ils reviennent vers l'astronomie, alors qu'en réalité, il faudrait quitter l'astronomie pour aller vers l'astrologie. Et l'astrologie, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que l'astronomie. Elle ne se perd pas dans une multitude de facteurs, etc. Elle va trier, elle va canaliser, elle va polariser. Et ça, c'est très masculin, alors que l'astronomie est féminine.